De 633 222 habitants. Une nature à couper le souffle, mais polluée par le rejet des eaux usées, des eaux contenant des produits chimiques ménagers et industriels dangereux, savons, médicaments, ammoniac, hydrocarbures, qui se déversent sur nos terres et sous nos terres. Ces eaux contaminées ont des conséquences désastreuses sur la flore, sol agricole contaminé, et sur la faune, et font apparaître de graves épidémies. La possibilité d'améliorer le potentiel productif du secteur agricole de la région par la réutilisation des eaux traitées pour l'irrigation, moyennant un traitement tertiaire dans une zone à vocation hautement agricole, en climat semi-aride et une pluviométrie de l'ordre de 300 mm par an seulement. L'entreprise Amenid SPA, un concepteur de solutions, apporte sa solution en réalisant une station de traitement des eaux usées. Avec une capacité de 145 000 équivalents habitants, cette station d'épuration pourra traiter 20 000 m3 d'eau usée par jour, jusque-là rejetée dans l'oued Feidsuar, lequel se jette dans la Sepra, sans omettre l'utilisation de ces eaux par des agriculteurs locaux, induisant les risques infectieux que l'on connaît. Le terrain réservé à l'implantation de cette station est de 8 hectares, situé à 6 km au sud d'Oumoulbouaghi. Grâce au savoir-faire aujourd'hui avéré d'Amenid, aussi bien dans la gestion des déchets que dans les traitements des eaux, même les sous-produits de l'épuration, appelés boues, pourrait être valorisé en énergie renouvelable et fertilisant organique. Les étapes de traitement de cette station. Étape 1, le dégrillage. Un collecteur gravitaire en béton armé assure l'arrivée des eaux brutes à la station. Les eaux usées sont envoyées vers un dégrillage automatique grossier. Les déchets sont acheminés vers une benne. Étape 2, le désablage et le déshuilage. La diffusion d'air permanent par les aérateurs immergés dans la masse liquide favorise la flottaison des graisses qui seront raclées en surface. Les sables seront décantés en bas, puis récupérés par des pompes de type airlift avant d'être stockés dans une benne. Les produits récupérés auront un traitement ultérieur.
Étape 3, le traitement biologique. Le système de traitement de la station d'épuration d'Umelbwegi est un système classique, du type boue activée à faible charge, avec élimination de la charge de carbone et azote à travers le procédé de nitrification-dénitrification. Chaque fil de traitement comprendra une zone de contact, un bassin d'aération et une zone de dégazage. Étape 4, la clarification. Les eaux usées seront acheminées vers deux clarificateurs de type circulaire fabriqués dans nos propres usines. Les boues sont raclées et évacuées vers la station de pompage des boues. Les eaux épurées sont désinfectées par l'injection d'hypochlorite de sodium, qui détruit directement les germes pathogènes. Cette désinfection permettra d'obtenir un effluent de qualité plus élevé avant son rejet dans le milieu naturel. Un préleveur d'échantillons automatique réfrigéré évaluera la qualité physiochimique et bactériologique des eaux épurées à la sortie de la station. La qualité de cette eau traitée répond à la norme. Étape 5, le traitement des boues. Les boues concentrées au fond de l'épaississeur seront déshydratées puis évacuées vers les bennes ou stockées dans une aire en béton fermée. Grâce à cette station, nous pourrons préserver cette nature pour les générations futures, car l'eau est source de vie.